Respiration pour Haïti, retirer chapeau bien bas devant la presse. Tant que la presse parle, la presse écrite, la presse télévisée et puis les médias en ligne qui font un travail colossal pour permettre que voix peuple là y passe. Respiration pour Haïti, by conférence de presse ce matin, hein, juste pour nous capables de fixer position nous face à la situation malouque pays d'Haïti a connu ces derniers temps. C'est vrai, depuis l'avènement du régime PHTK, le pays d'Haïti a vécu une situation de corruption, de crimes, de viols, de massacres, de toute qualité de bagaille. Mais journée jeudi, chaque jour nous levons, nous avons des bagailles qui ont été plus graves. Et selon ça, nous constatons, c'est pour la première fois dans toute l'histoire du pays d'Haïti. Li connaît une situation comme ça, la descend aussi bas comme ça. Et dans le contexte, ça, Repa prend acte des déclarations ambassade américaine qui non seulement mandé citoyens et citoyennes la caille pour ne pas visiter Haïti dans un moment difficile ça à côté Haïti à traverser, mais aussi mandé pour citoyens qui vivent dans le pays. Qui déjà dans le pays a pour prendre pile précaution parce qu'ils estiment que c'est insécurité de gagner son bagage qui est gravement grave. Mais en même temps tout nous prend acte côté ces mêmes ambassades ça à travers un groupe qui a demandé population qui a fait pression sur population haïtienne pour aller participer dans soi-disant élection côté le régime PHTK qui eux même aussi allié. Il y a besoin pour la renouveler tête li pour qu'un peuple haïtien dans la situation gravement grave l'a connaît depuis tantôt 10 ans nek sa yo atterri sous pouvoir nous. Donc dans contexte ça yo mandé conseil électoral créé électoral yo fait illégal qui pas fait sous base aucune pour provision légale et ben yo mandé pour le bail calendrier électoral comme quoi peuple haïtien c'est des cobayes, c'est des choses que n'importe peuple sur la terre capable de venir ou faire ça ou pipito, ça ou blé. Et bien nous-mêmes dans la respiration pour Haïti, non seulement nous dénoncer le comportement ça, mais nous venons dire que peuple haïtien pas qu'à croiser bras tout pour la garder ça qu'a fait là. Parce que situation kidnapping qui gagne journée aujourd'hui, situation côté. Petit nous pas qu'à l'école. Yo apprend yo à tout uniforme et puis bandi yo tellement arrogant, yo fin prend petit tout. Yo a montré li, yo a fait vidéo, yo a fait une série de bagay côté. Finalement, pays a descend nos niveaux nous estimer qui pi bas dans toute histoire. Et là, moun conséquent, moun k'ap fait politique, moun ki nan société civile, moun ki nan organisation, c'est moment plus que jamais pour nous réveiller, pour nous dire non et pour nous frapper pied nous à terre, pour nous réveiller l'esprit ancêtre nous, pour nous dire nous pas qu'à continuer dans une situation comme ça avec un régime sanguinaire qui a fini avec un pays comme ça. Donc dans le contexte ça, difficile ça, nous dit que il faut tout groupe qui a fait politique yo, faut nous faire tête ensemble plus vite que possible pour permettre que dans quelques mois, c'est-à-dire nous dit quelques mois, mais moins que deux mois qui étaient pour mandat constitutionnel Jovenel Moïse qui a fini 7 février 2021 fini, eh bien, peuple haïtien pas qu'à croiser bras nous n'attend, et si n'attend, eh bien, dans titan sa traité,
j'ai l'impression régime ça ensemble avec allié dans international là pas décidé pour quitter un grain haïtien continuer. Dans contexte ça nous dit que nous dénoncer et nous pral passer camarade Stanley qui pral faire une analyse des situations hein, qui pral continuer faire analyse des situations hein, et ensuite n'a gagné camarade jeudi qui pral conclure conférence là pour nous. Merci beaucoup. Oui, Lisaï pour chaque haïtien qui a opportunité pour capable suivre conférence de presse en téléphone li, en télévision la kayli ou bien tande la radio. Lisaï pour nous même la presse qui fait déplacement pour être capable de supporter conférence de presse que nous même respiration pour Haïti que nous même la baye pour nous capable permettre que population a les rester informés de tout ce qui a passé en dedans pays. Maintenant, nous venons là pour nous capables de faire conférence de presse, pour nous capables de lancer une alerte. Une alerte que il y a plusieurs autres organisations ont lancé depuis longtemps que Haïti est en danger. Haïti, c'est un pays pauvre que lui. Ça veut dire qui ça un pays pauvre? Un pays pauvre, c'est un pays qui gagne un PIB pipiti. Passer l'autre pays. Dans la région Caraïbes là, Haïti c'est pays qui a un PIB qui pi ba. Qui ça PIB a yé? PIB a ça nous les produits intérieurs bruts. C'est ensemble de richesses que nous produisons dans le pays. Pour nous-mêmes et pour nous al vendre dans l'autre pays. En bien Haïti les derniers dans le classement ça. Haïti son pays pauvre parce que nous gagnons moun que n'a produit, ça nous relé indice de développement humain que les Nations Unies les mêmes quand utiliser pour les évaluer qualité monde qui dans un pays ça nous relé IDH là. Et bien Haïti est classé 169e sur 189 pays. Nous pas dernier non dans ça, mais nous loin pour nous joindre groupe 10 qui dans tête classement. Ça veut dire qualité monde nous produit yo. Yo pas joué une formation assez pour yo capable de produire richesse pour propre tête pa yo pour yo payer taxes et en même temps pour yo capable et permettre que pays a lui-même li gagne plus richesse. Haïti dans moment que n'a parlé là gagne 6 millions moun là-dedans qui est considéré comme moun qui pauvre. Moun ça aussi des moun qui gagne en moyenne 150 gouttes dans mon par jour pour dépenser. 150 gouttes dans mon par jour, tout soit acheté sans US, bon garanti, ou pas vivre, non, ou essayer kembe pour vivre. Si vous son monde qui levé matin là, ou pas gagner 150 gouttes dans poche, ou plus mal que pauvre, et ça veut dire. Mais gon classement pour vous. Parce que les Nations Unies, dans toute étude qu'elle fait, ils joignent que 2,5 millions de monde. Ils même un classement spécial qui est l'extrême pauvreté. Les gens sont des gens qui peuvent mourir n'importe qui. Les gens ont en moyenne 50 gouttes dans le pays par jour pour vivre. À peu près, ils ont $1. Bon, plus petit qu'un dollar. Plus petit qu'un dollar américain parce que les taux américains sont tellement. Nous allons contrôler. Il y a monté des sons. Il fait que, ou même, on ne connaît pas qui le. Ou mouri maladie katouyo la fin katouyo donc n'importe bagay capable rive ou dans une situation comme ça. Haïti son pays qui pauvre les nous prend tout chiffre ça on sous bay là l'on prend 6 millions plus 2.5 millions ça bon 8.5 millions sur 12 millions moun qui trouvé dans situation fragile. Ou gagner un pays qui est exposé, pays exposé, catastrophe naturelle capable de passer n'importe qui là, qui est capable de tomber n'importe qui là. Bon, chance pour nous, année ça nous va prendre un cyclone, mais nous va prendre l'année prochaine qui vient s'appuyer. Donc, pays d'Haïti, dans tout rapport international, il a déclaré Haïti comme un état fragile. Un état fragile dans quoi Haïti, pour Haïti capable d'avancer, il nécessite ça nous capable de brûler une stabilité politique. Et stabilité politique là, qui ça lié même? Stabilité politique, là, c'est là nous gagnons un gouvernement qui est en place
qui a travaillé pour bien net pays. Ça nous relève gouvernement serviteur. Stabilité politique, là, c'est que ça laisse les gagnants élection qui est faite pour renouveler personnel politique. Donc nous voyons que l'élection pas jamais arrivé faite dans le pays. Stabilité politique, là, c'est là que gagnant un gouvernement qui travaille dans la transparence, c'est-à-dire pas de corruption, pas de vol qui a fait avec l'argent de l'État. Nous connaissons ce qui a passé dans le moment de l'administration de l'État. Nous n'avons pas besoin de citer, mais nous connaissons que l'administration publique, là, c'est gargote qui a fait là-dedans parce que l'instance de contrôle n'a pas existé encore. Stabilité politique, là, il parlait de sécurité publique. Il faut gagner sécurité pour la population capable de vaquer avec l'occupation. Actuellement, qui ça nous vient là? Actuellement, qui ça nous vient là? Nous avons un président provocateur. Nous avons un gouvernement réactionnaire. Président provocateur, parce que le président, dans chaque déclaration, chaque lettre de la parole en public, chaque déclaration, le fait, il provoque la population. Une population qui est estimée à 12 millions, il y a 6 millions de personnes là-dedans qui sont pauvres. Ou bien 2,5 millions de personnes qui sont en extrême pauvreté. Et puis, qui est le président, je vous le dis, pour que je vous en là, soit mon capable de faire moins, si je suis allé à faire. Qui est le président, je vous le dis, quelle que soit l'élection qui a fait dans le pays, je prends le monde qui a fait la même. Nous avons un président provocateur qui a provoqué la population. La population est sortie pour la manifester, pour la dire le bouc qui a grand goût, elle n'est pas capable encore. Et bien, je gouvernement à travers. Les organes ministériels, voyez des policiers, je ne vais pas accuser tous les policiers, parce que je suis dans la manifestation, tout, ils voyaient des policiers bien programmés, bien craser manifestation, peuple qui a réclamé, qui dit le bouquet, il va pas encore. Donc, il y a un gouvernement réactionnaire avec un président provocateur, nous pas besoin de l'autre résultat. 8 500 000 sous 12 millions de monde qui sont pauvres, nous mettons de quoi? Dans le jour qui vient là, le chiffre ça a augmenté. C'est plus pauvreté que le gouvernement ça avec le président a créé en dedans pays. Malheureusement, la constitution nous a pas prévoit une justice réellement indépendante. Puis fait que dans une situation comme ça, la justice paysan est vassalisée. Nous avons qui ça qui a passé dans la justice là. Son justice au vent, ben monde qui a plus l'argent. Alors, insécurité ça que nous vivons là. Qui gagne ça nous capable de kidnapping qui a fait là-dedans? Qui gagne ça nous les massacres qui fait là-dedans déjà? Qui gagne des groupes, tant que G9, en famille alliée, qui sont un groupe, ils ont même réclamé, ils ont revendiqué, ils ont dit ça pour voir après. Et ça, ils ont dit. Ils ont dit, là, ils ont couru pour voir. Vin fait que, nous-mêmes, en de population haïtienne, en pile là, nous, vin à vivre avec ça nous capable de la peur au ventre. Nous peur, nous ne pouvons pas killer, nous ne pouvons pas vivre nous. Ou la caillou yo prend ou dans travail yo prend ou dans la rue yo prend si moun l'école kidnappé tout moun en dans pays ça pas épargné n'importe citoyen coréen là quel soit cotoyé malais capable privé ou et m'a mettre un point sur ça insécurité dans vivre haïtien li touché l'autre région caraïbes là n'a pas tendé Saint-Domingue renforcer sécurité sur frontière li Jamaïque renforce sécurité sur frontière li, Cuba renforce sécurité sur frontière li, même Américain renforce sécurité sur frontière yo, yo aller plus loin. Yo dit yo déconseille à chaque citoyen américain pour venir Haïti. Ça vient faire que parents nou yo, zanmi nou yo qui quand vient passer vacances dans pays qui c'est haïtien, yo déconseille yo venir dans pays et en plein là dedans yo peur pour yo venir dans pays là pour pas kidnapper yo. Kounya nous même en dedans respiration pour Haïti. Qui ça n'a demandé? Nous demandé pour nous capable sortir tête nous dans situation ça pour toute partie politique yo, groupement politique yo. Pour venir rejoindre respiration pour Haïti parce que qui ça respiration pour Haïti demandé? Nous demandé pour nous capable gagner une entente nationale. Faut une entente nationale pour nous capable venir une transition politique, une transition coupée fâchée qui va poser problème éducation, qui va poser problème sécurité, qui va poser problème économie. Pour nous capables pas jamais joindre gens de monde que Jovenel Moïse vient diriger pays ça encore pour ne pas jamais retourner dans genre de situation ça encore en dedans pays nous connaît que président ça pouvoir ça il est installé sous loi électorale 2015 il est installé sous constitution il était juré pour le respecter loi pour le respecter constitution
et loi électorale 2015 article 239 il dit clairement m'a pour dire loi électorale que président est élu sous lui il dit clairement dans article 239 pour nous capable harmoniser temps constitutionnel quel que soit leur entrée en fonction en bien mandat loi considère mandat gain son mandat 5 ans bien fait que président entre en 2017 c'est vrai mais mandat l'a fini 7 février 2021. Nous même en respiration pour Haïti n'a mobilisé parce que dans situation n'a violent nous pas arrêter là-dedans éternellement. N'a mobilisé, n'a lancé un appel à la mobilisation générale pour tout groupement politique pour continuer à mobiliser pour nous faire pouvoir ça quitter pouvoir avant 7 février 2021. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'harmonie dans toute opposition, comme nous connaissons que l'opposition plurielle. Est-ce que ça va vous dire tout, l'opposition plurielle que nous gagnons, par les groupements, par les groupes dans l'opposition qui pensent que supérieur à l'autre, qui nous fait que l'harmonie que nous gagnons, ça va faire une conjoncture difficile pour nous venir parce que nous avons que le supérieur en l'autre pour voir l'autre passer comme ça. Et je vous remercie pour la question, journaliste. Nous-mêmes, dans l'inspiration pour Haïti, nous sommes conscients de qui ça passe en opposition parce que nous sommes en opposition politique. Là, nous participons dans pratiquement toutes les rencontres ensemble avec l'autre groupe. Nous connaissons des groupes peut-être qui sont capables de gagner une méthodologie par eux pour fonctionner. Et, mais nous-mêmes, nous restons quoi dans un seul bagaille. Quel que soit le groupement qui demande pour pouvoir ça aller, qui est conscient que pouvoir ça, son pouvoir qui est là, qui ne peut pas faire bonheur à la population. Quel que soit le groupement qui dénonce le kidnapping, quel que soit le groupement qui dénonce l'insécurité, quel que soit le groupement qui comprend la nécessité pour le peuple ça, 8,5 millions de monde qui sortent dans la misère, nous-mêmes dans l'inspiration pour Haïti, nous prêts pour marcher ensemble avec lui. Merci. Je salue la presse en général. Je ne vais pas parler trop, non, mais je vais dire deux ou trois mots. Premièrement, on a demandé pour ce groupe-là quitter Haïti, respirer, pour le peuple qui vivre, parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous constatons tout ça que ça a fait dans le pays. Nous prenons un complot. C'est un complot. Ils ont fait pour tirer nous tous. Ils n'ont pas besoin de vivre. Ils n'ont pas qu'à respirer. Ils n'ont pas qu'à manger. Ils ont besoin de tirer nous. Même la santé, nous n'ont pas qu'à joindre. Les malades dans l'hôpital, ils mourent. Ils n'ont pas qu'à l'hôpital. Ils ont toléré les nègres. Le pouvoir. Les nègres sous pouvoir. Ils prennent tout comme là. Tout l'argent pays a, elle mettait la caillou. Les filles ne va dire rien. Ne va dire rien, yo quitter nèg yo fait ça ou voulez. Que nèg yo entrer dans complot avec yo pour tirer nous tout haïtiens. Que petit bout de pays ça, c'est pour nous lier. Mais yo pas venir jouer. Yo fait ça ou voulez là-dedans. Laissez yo même qui là-dedans, li bon pour yo. Mais nous même qui vivre, nous pas faire rien. C'est ça fait m'a demandé. Dans quatre coins pays pour peuple lever camper pour nous chavirer pour voir ça avant 7 février 2021 pas ouais faut aller il pas qu'à camper encore nous mouri trop il entre dans l'université au tire nous les pour parler il pas en faveur pouvoir tio il veut tio petit nous pas qu'à l'école si nous veut nous l'école il est venu nous connaît là pa yo ka kidnapil ki edi n'ap viv an kè sauté ki n'ap fè tout qualité maladie non ka fè stroke même nou mouri même ti moun nou pa wè Haïti n'ap rive an do pa wè li sa n'ap mande tout camarade yo tout opposition an pou met tèt yo ansanm pou nou on sèl objectif c'est voyé régime PHTK ça jeté pour pays à ralon souffle pour complot suspendre faire sous dono pour suspendre mourir
pour petit nous suspendre mourir pour petit nous ca rallons on vit mieux. Merci. Bon, moi me pense ou bien dit il y a un petit groupe parce que il y a longtemps après les oppositions haïtiennes sont raison plurielle. Mais ça qui est fondamental, c'est que quel que soit groupe ou dans l'opposition, nous tous mettons d'accord sur le seul bagaille. 7 février 2021, pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir, quitter le pays. Ça, c'est une bagaille qui est fondamentale. L'autre bagaille qui est fondamentale, c'est que ma performance, il y a un pile de travail qui a fait. On ne s'est pas oublié. Influence et respiration pour Haïti, il y a plusieurs partis politiques là-dedans, il y a plusieurs organisations là-dedans. Nous pas ensemble déjà. C'est la situation qui met nous ensemble. Je pense au fur et à mesure, nous avons privé dans l'entente là. Et il y a un pile de groupe qui travaille pour ça. Il y a un journaliste qui te dit, il y a un groupe qui dit supérieur avec l'autre monde. Je dis à pas gagner un groupe cap goumé là qui connait le pouvoir. Est-ce que démocratique a fait proposition direction opposition démocratique a fait proposition non même nos inspirations on nous est comme ça. Est-ce que avec nous tout sous proposition de mieux faire. Vous dites pas Jovenel Moïse. Et là c'est gagner plusieurs groupes qui fait proposition. Donc, dire quoi de son groupe, tout groupe qui fait proposition. Mais il y a des personnes, des gens honnêtes, des gens qui n'ont pas de chambre impliquée dans la question politique dans le pays, qui prennent des initiatives pour préparer ça, nous capables de faire un gros accord global. Nous-mêmes, Respiration pour Haïti, nous avons des marches, c'est là-dedans que nous parlons. Respiration a une proposition, mais nous déposons les. Et l'équipe comité de suivi à Port 21 août, qui ont même nous jugé qu'ils font un travail vraiment, un travail qui est honnête, et ils font un travail qui gagne un aspect, ils font un travail qui gagne un aspect démocratique là-dedans, et nous-mêmes, nous, c'est des groupements politiques, et nous-mêmes, nous inscrivons dans une démarche démocratique. Proposition Dipod là, l'irrité proposition Dipod, mais nous connaissons que nous-mêmes, Respiration pour Haïti, par rapport avec proposition pas nous, proposition pas nous, nous gagnons pour nous à l'Chita, ensemble avec tout l'autre groupe, pour nous capables faire ça, nous capables de faire une conférence politique interhaïtienne, pour nous capables de faire une proposition globale. Donc, nous allons faire ça, nous connaissons, depuis le mois de décembre, au moment là, on a cette activité par eux, puis bas au janvier, alors, c'est ça qui différencie nous-mêmes, dirigeants politiques, avec le reste de la population civile là. Nous-mêmes, dirigeants politiques, nous pas nous faire. Militants politiques, nous pas nous faire. Nous mobiliser jusqu'au bout, parce que le pays s'est bouqué, il faut que la population respire. Nous, puisque quand on a mobilisé, nous voulons chercher des résultats. Et Respiration pour Haïti, il est formé en juillet 2020. Donc, nous n'avons pas au courant que. En tout cas, mobilisation. Respiration pour Haïti, formé en juillet 2020. Merci beaucoup. Daniel, vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez vous poser des questions.